Bonjour, merci au CND et à Entreprendre pour la Culture de nous accueillir ce matin. Donc, l'idée de cette table ronde est de présenter certaines expériences produites par des producteurs de l'Association des producteurs d'expériences numériques, PXN, qui ont eu des collaborations avec les musées. Donc, nous aurons d'abord Pascal Goblot et Isabelle Thomas de Escalanta, qui vont nous parler d'un projet fait avec la Cité des Sciences, je crois. Oriane Hurard, des produits frais, qui va nous raconter un projet fait avec le Québec et sorti au Québec. Nous finirons par Anne-Sophie Brault de l'Institut français, qui nous présentera un catalogue d'expériences immersives françaises installatives qui ont tous un rôle à être exploité, enfin, ambition d'être exploité dans des lieux de culture et des musées. Et entre-temps, je me glisserai pour présenter. Donc, je suis Chloé Jarry, membre du bureau de PXN et productrice de Lucid Realities. Voilà, et je reviendrai sur certaines expériences qu'on a présentées dans des musées, des lieux de culture. Pascal et Isabelle, je vous laisse la parole. Merci Chloé, bonjour. Donc je suis Pascal Goblot, je suis le fondateur de la société Escalenta. On existe depuis maintenant 8 ans. On s'est spécialisé très vite et on a fondé la société pour proposer des films, des installations immersives, multi-écrans, interactives au musée. Et donc on fait beaucoup de films, d'installations, de dispositifs. On travaille pas mal avec la Cité des Sciences, mais aussi avec l'association Marcel Duchamp pour diffuser un dispositif numérique d'une œuvre de Duchamp. Voilà, on a depuis maintenant 8 ans, on a travaillé sur à peu près une vingtaine d'expositions. Et au sein de ce travail, où on fait à la fois des films d'exposition et aussi des installations immersives. Alors, des installations immersives pas en VR, vraiment in situ, où le visiteur est plongé dans un univers spécialement dédié à l'expérience. Au sein de toutes ces réalisations, on a développé un outil qu'on est pour l'instant un peu les seuls à maîtriser comme ça, qui est un outil de data visualisation. Alors, la data visualisation, c'est quelque chose qui, pour resituer un peu ce que c'est un mouvement du graphisme qui émerge depuis une quinzaine d'années, mais qui est surtout utilisé dans la presse et ce qu'on appelle en print, c'est-à-dire sur un support papier, pour produire des images qui représente les données, les datas, les chiffres, autrement qu'avec des camemberts, des courbes et des barres d'immeubles. Ça, c'est les choses, on a tous vu ça dans les livres d'enseignement. Et depuis une quinzaine d'années, des graphistes du monde entier s'emparent des données qui affluent de partout, qui font partie de notre univers, pour proposer des images, c'est-à-dire de créer des supports imaginaires aux données, mais des supports imaginaires justes, c'est-à-dire que les images sont directement produites à partir des chiffres. La taille d'une forme, par exemple, correspond directement aux chiffres, on peut utiliser plein d'outils graphiques, la taille, la couleur. Nous, ce qu'on a développé, c'est un outil de data visualisation animée, c'est-à-dire que n'importe quelle fonction d'animation peut être affecté aux données directement, piloté par les données, et ça, quel que soit le travail graphique et le nombre de données. Donc là, vous voyez sur ces images des exemples sur une série que nous produisons qui s'appelle Data Science versus Fake, que nous coproduisons avec Arte et l'Univers Science, qui sont des formats très courts où chaque fois on prend un sujet et on travaille la data visualisation. Donc, par exemple, sur cette image, on voit l'épidémie de coronavirus, par exemple, qui est data visualisée, et l'espérance de vie mondiale sur l'image d'à côté. C'est un outil très puissant qu'on a également utilisé sur un dispositif, sur une installation immersive qui a eu lieu il y a quelques années, qui s'appelait Terre Urbaine,
où on montrait, on mettait en spectacle toutes les mutations urbaines depuis une cinquantaine d'années sur la planète. C'était un dispositif, une salle immersive avec une projection à 180 degrés, où toutes les données chiffrées, on peut peut-être passer à l'autre image, toutes les données chiffrées de l'urbanisme étaient mises en scène dans un spectacle graphique sans commentaire visuel. Et cette installation a très bien marché, elle était prévue pour une exposition de 6 mois, elle est restée 2 ans in situ. Ce qui nous a amené à développer un autre projet à partir de ce même outil technique, mais qui n'est un outil technique au service d'une narration et d'un spectacle graphique, qui là pour le coup est immersif, qui s'appelle Data du futur, qui consiste à mettre en image toutes les modélisations qui sont faites sur l'avenir, aussi bien sur le climat, sur l'environnement, sur les ressources, toutes les modélisations qui sont faites à échéance de 2050, 2100, qui sont issues des laboratoires scientifiques, qui sont pour l'instant que des données. Il y en a, ça foisonne de partout. Pour l'instant, elles n'ont aucun support imaginaire et on ne sait pas s'en faire une représentation. Nous, ce qu'on propose avec ce projet, c'est de proposer des images à ces modélisations et des images qui sont justes. Notre outil de data visualisation, il est précis au pixel près. Quand il y a une forme qui est d'une certaine taille, c'est exactement la forme qui est issue des données. Donc ce projet Data du futur, il va se décliner sous trois matérialisations. La première, c'est une expérience immersive à 180 degrés où le visiteur est plongé dans le spectacle qui va durer entre 20 minutes et une demi-heure de ces datas du futur, une déclinaison sur planétarium et une déclinaison en réalité virtuelle. Là, je peux peut-être montrer juste un petit extrait de teaser en vidéo qu'on a réalisé, où on a fait, ça c'est le premier essai de... C'est le premier essai où on a visualisé toutes les projections sur la démographie mondiale sur le siècle. Il y a des projections qui sont faites qui calculent à partir des évolutions de taux de natalité, taux de mortalité, qui arrivent à estimer, ce sont des projections, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on imagine aujourd'hui le futur, sur la population. Donc on voit les deux gros blocs qui se dégagent, donc chaque cercle c'est une décennie, depuis au sol qui est 2020 jusqu'au sommet qui est 2100. On voit qu'il y a deux gros blocs qui se dégagent, c'est l'Inde et la Chine. Ça reste les deux populations majeures, mais on voit que l'Inde rattrape la Chine en population, mais ça commence à décroître. Ça, c'est un peu la surprise aussi des projections. C'est que la Chine et l'Inde, après avoir eu un sommet, décroissent. L'Europe, les prévisions disent que ça sera que les principaux pays européens qu'on connaît vont rester stables. Et il y a des données, il y a une chose qui émerge, c'est la révolution démographique africaine et principalement un pays, le Nigeria. Et ce qui est assez intéressant avec cette visualisation, c'est qu'on le voit. Ces données qui sont chiffrées, si on entend dire c'est le Nigeria qui va émerger, là on le voit et on voit que ce pays va probablement rattraper en population les États-Unis et devenir le troisième pays le plus peuplé du monde. Voilà, ça c'est un exemple, c'est la première esquisse, le premier essai, on est au tout début du projet. On le développe là en production, il sera prêt en courant 21 et on entame là vraiment la production éditoriale et graphique. Donc je passe la parole à Isabelle pour toute la partie production parce que c'est à la fois un enjeu pour moi narratif puisque je suis le réalisateur de ce projet et graphique et visuel, de proposer une expérience aux visiteurs et aux spectateurs. Et pour Escalante et pour Isabelle, c'est un enjeu de production aussi important parce qu'on change un peu la façon de travailler aussi sur ce terrain-là. Bonjour. Donc, à moi de vous parler maintenant du modèle de production, du financement également et de la distribution de data du futur. Donc, pour commencer, je vais dire ce qui est d'usage en général quand il y a un projet d'exposition. Un musée publie un appel d'offres, les producteurs répondent, un projet est sélectionné et à partir de là, le producteur qui gagne cet appel d'offres devient producteur exécutif et fait de la prestation de service.
Sur Data du futur, sur ce projet, ça s'est passé à l'inverse, c'est-à-dire que c'est Escalanta et plus particulièrement Pascal qui a été à l'initiative de ce projet et qui est allé voir la direction des expositions à la Cité des Sciences pour proposer Data du futur, donc une œuvre immersive qui sera présentée dans un cylindre avec un écran qui sera à peu près 9 mètres sur 2, sur un écran 180. Et le projet a plu, du coup il a fallu trouver une modalité contractuelle pour la fabrication de l'œuvre. Et voilà, donc l'appel à projet n'était plus possible, donc nous avons proposé à la Cité des Sciences de prendre comme modèle de base les contrats de coproduction audiovisuelle qui sont d'usage dans nos professions à tous et que nous signons avec nos diffuseurs. Voilà. Et ce qui change là-dessus, c'est que nous ne sommes plus producteurs exécutifs, mais producteurs délégués. Ce qui veut dire que nous réunissons l'intégralité du budget de l'œuvre, donc au-delà de l'apport du musée lui-même. On va chercher le financement complémentaire pour recouvrir l'intégralité de notre plan de financement. On va gérer également et acquérir toute la chaîne de droits des droits externalisés de l'œuvre. Nous sommes responsables de ce qu'on appelle la garantie de bonne fin de l'œuvre. Et puisque nous sommes producteurs délégués dessus, on retrouve aussi un de nos savoir-faire importants dans notre cœur de métier, qui est l'exploitation de l'œuvre, ce qui fait vivre les producteurs et ce qui permet également de faire vivre l'œuvre au-delà de ce qui a été conclu dans le contrat de coproduction avec le musée, puisque quand il y a un contrat de coproduction, il faut savoir qu'il y a d'une part un achat de droits de part copro, qu'on verra tout à l'heure, et d'autre part une acquisition de droits de diffusion. Donc, ça, c'est défini dans le contrat. Il y a une exclusivité de territoire, de durée. Et s'il y a exploitation, ça veut dire qu'il y a potentiellement des bénéfices également sur l'œuvre et qui n'est pas. Qui est un point important également dans le rapport, en tout cas, coproduction avec le musée, puisque la part copro va donner au musée un pourcentage de propriété sur l'œuvre qui, quand il y aura exploitation de l'œuvre, lui générera des bénéfices à hauteur de son pourcentage copro qui est calculé en fonction de son apport. Voilà. C'est bien faire de la pédagogie. Bien technique. Et voilà. C'est ma première intervention, donc je suis un petit peu. Voilà. Mais je vais retrouver mon fil. Et voilà. Donc on peut voir, voilà, je retrouve. Voilà, on peut voir que cette situation inverse, en tout cas, est au bénéfice de tous, puisque le musée n'est ni dépossédé, de la propriété de l'œuvre et ni de ses droits. Voilà, je soulignerai également qu'il y a dans ce modèle de production une continuité également de collaboration tout au long du processus de la création de l'œuvre par des échanges éditoriaux, par des décisions communes sur la scénographie finale. Nous, par exemple, dans le cadre précis de Data du futur, on est tenu à une rigueur scientifique. Un référent est désigné à la Cité des Sciences, il y a des rendus, des comptes rendus, et tout ça est vraiment délimité dans le contrat. Donc, en conclusion, je dirais que sur ce modèle de production, ce qu'on peut voir, c'est que le musée peut s'engager sur des projets ambitieux, en tout cas plus ambitieux que ce que lui permet son enveloppe budgétaire de départ, puisque nous, en tant que producteurs délégués, on peut vraiment aller chercher de l'argent supplémentaire, et que c'est notre rôle en plus. Et que grâce à l'exploitation de l'œuvre, le musée peut également espérer faire un retour sur investissement par le bénéfice des ventes qui sera fait. Et ce n'est pas rien. Voilà. Et pour finir également sur ce modèle de production, il faut savoir que quelquefois, les chaînes avec lesquelles nous travaillons, ce sont elles qui sont à l'initiative même du projet. Ce qui veut dire
qu'un musée, par exemple, peut avoir un besoin spécifique, une envie d'exposition, et que ce modèle, ce modèle de contrat peut convenir également sur une initiative qui ne serait pas celle du producteur délégué, mais celle d'un musée. En ce qui concerne le financement, donc comment est financé Data du Futur ? Donc, il est financé justement par la part coproduction là avec la Cité des Sciences. Il est financé également, financé également par les guichets en région et les guichets du CNC par exemple. Et là également, notre rôle de producteur délégué est très important puisque si nous étions producteurs exécutifs, on ne pourrait pas aller à ces guichets. Donc ce statut est véritablement important dans tout le processus de financement de l'œuvre. On a également un financement qui va être un apport en industrie de notre prestataire technique Manuel Cam, qui va nous permettre de faire des tests à l'échelle, donc en immersif écran géant, dans son studio d'animation. Une autre source de financement qui est importante et qui là touche à la distribution de l'œuvre, c'est un avaloir à l'international, c'est-à-dire qu'un distributeur va investir sur notre plan de financement en amont des ventes et qu'il récupérera sur les ventes qu'il fera lors de l'exploitation de l'œuvre. Et une autre source de financement également importante qui est le mécénat et le fonds privé dont il ne faut pas se passer. Un petit mot sur la distribution, donc comment se distribue l'œuvre. C'est là où nous avons fait en amont, et il se fait généralement en amont suivant le format de l'œuvre, une étude de marché tout simplement, à se dire voilà. Et nous, dans le cadre de Data du Futur, ce qu'on n'a pas dit, je crois, c'est qu'on a trois formats. Donc on a ce format immersif au sein de la Cité des Sciences dans un cylindre écran géant, format 180. On a également une déclinaison qu'on va faire à destination des planétariums et nous allons faire ensuite également une expérience VR, une déclinaison légère et nomade de Data du Futur. Ce qui nous a permis en amont du projet d'aller identifier vraiment à l'échelle de la planète et sur chacun des continents les principaux musées scientifiques qui seraient capables d'accueillir Data du Futur, mais également les centres d'art orientés sciences et innovations technologiques qui existent aujourd'hui et qui se multiplient, et d'autre part, tout le réseau des planétariums. Donc on est vraiment sur trois canaux de diffusion qui donnent vraiment une potentialité de rentabilité de l'œuvre, et ce qui nous a permis, je pense, également de convaincre la Cité des Sciences que c'était un projet bankable, si on utilise les termes aujourd'hui. Et d'autre part, ça permet aussi vraiment, et ça c'est important, je pense, de souligner que quand on fait des œuvres pour un musée, on a vraiment envie qu'elles vivent au-delà de la période où elle sera présentée au sein du musée initial, on va dire. Et là, ça nous permet vraiment de la faire vivre dans le temps et dans l'espace. Quoi dire d'autre sur la distribution ? Oui, on a également, alors là je sais que Anne-Sophie va ensuite en parler, mais on trouve également des soutiens, notamment du côté de l'Institut français. Nous avons été présents à Pixi à La Rochelle en 2019, qui nous a permis de rencontrer des acteurs internationaux, directeurs de musées, directeurs de centres patrimoniaux ou autres acteurs culturels à l'international. Et ça, c'est très important. Et on figure également, on est très heureux, dans le catalogue de l'Institut français, dont le titre est « Innovation culturelle et médiation numérique », qui nous permet de démarcher toujours à l'export de cette œuvre, même une fois qu'elle est créée, quoi. Donc, tout ça est une dynamique importante. Il y a également BPI France, dont on espère avoir le soutien et qui là apporte un soutien en numéraire sur une présence à l'international lors de marchés, de manifestations ou de festivals qui nous permet toujours de pouvoir vendre l'œuvre même après qu'elle soit terminée. Tout ça pour finir, je pense que mon temps de parole doit être arrivé peut-être à la fin. Et tout ça pour dire que Data du Futur est une œuvre ambitieuse, que chez Escalonta, on a vraiment les ressources artistiques,
technologique par la data visualisation et humaine pour prendre ce pari. On espère vous voir, alors a priori ça sera en avril 2021 à la Cité des Sciences pour découvrir Data du futur et en même temps, pourquoi pas, faire plus tard un retour sur l'exploitation de l'œuvre à l'international, puisque c'est notre but. Voilà, merci. Et... Peut-être juste, ce qui est intéressant aussi dans ce projet, si je peux me permettre, c'est que c'est à la fois innovant sur le plan technique et narratif et visuel, puisque les spectacles de data visualisation sont très rares, chaque fois qu'il y en a eu quelques-uns. Escalenta en fait pas mal, il y a quelques autres personnes qui en font. Donc c'est innovant et c'est intéressant parce que c'est aussi innovant au niveau de la production et du rapport qui peut être établi entre producteurs, réalisateurs et les musées. Et voilà, donc on défriche aussi, on expérimente aussi à ce niveau-là quelque chose et on espère que ce sera vertueux pour tout le monde. Merci Pascal et Isabelle. Alors c'est en effet en plus un des chantiers de PXN, hein, de faire avancer ces relations entre producteurs et lieux d'exploitation, puisque la particularité, disons, de nos œuvres, c'est qu'elles ne vivent pas que sur une télévision, même si certaines télévisions sont des partenaires, mais elles s'étendent maintenant, évidemment, sur les réseaux et dans des lieux de culture. Donc, merci pour ce bon exemple. Auriane, à toi. Merci Chloé, merci au Forum Entreprendre pour la Culture de nous recevoir aujourd'hui. Moi, je suis productrice donc dans une société qui s'appelle Les Produits Frais depuis 5 ans. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis plutôt concentrée sur des œuvres en réalité virtuelle qu'on a pu diffuser dans des musées, puisqu'on a notamment produit L'île des morts de Benjamin Nuel il y a 2 ans, qui a eu une belle tournée internationale en festival, en musée, en centre d'art. Et plus récemment, on vient de sortir Mythe Mortaza, un documentaire en prise de vue réelle stéréoscopique, toujours VR, de Joséphine de Robe, qui est actuellement diffusé au centre d'art numérique qui s'appelle Le Cube et qui a ici les Moulineaux jusqu'en décembre. C'est des œuvres qui sont linéaires et où finalement pour la diffusion il suffisait d'avoir le bon fichier à envoyer dans les bons casques au musée, au centre d'art. Le prochain projet, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Les Passagers, on a voulu aller un peu plus loin dans l'immersion, dans le multi-utilisateur, dans l'interactif et proposer une œuvre qui soit vraiment pensée pour des lieux, mais pour des lieux de manière un peu générale, sans forcément avoir, notamment dès le développement, eu des partenaires musées comme vous, par exemple, avec la Cité des Sciences. C'est un projet qui est produit par deux sociétés en coproduction, deux sociétés de production cinématographique et audiovisuelle. Donc, je veux bien qu'on revienne sur la première slide encore, s'il vous plaît. Les Produits Frais en France et Cousins Films au Québec, qui a été préfinancé de manière très classique dans l'audiovisuel par le CNC, les régions en France et au Canada, etc. Donc au Canada, c'est l'équivalent du CNC. On a eu des soutiens du Fonds des médias du Canada et de la SODEC, côté Québec. Et c'est un projet qui est écrit par Nicolas Peufailly, qui est un scénariste qui vient du monde traditionnel, entre guillemets, qui a notamment coécrit Un prophète de Jacques Audiard, qui a travaillé sur la série Des Revenants, diffusée sur Canal+, et qui vient aussi de sortir un film interactif pour Arte qui s'appelle Ordessa, et l'expérience des passagers est réalisée par Ziad Touma, qui a différentes casquettes, aussi bien en réalisation de documentaires que de fiction télé, mais aussi de fiction interactive. Donc on avait une équipe très hybride pour un projet qui l'est tout autant, et qui est donc un projet, là on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît, merci, qui est donc une fiction composée de 4 chapitres conçus pour être diffusés et être vécus finalement par 4 spectateurs en simultané. Chaque spectateur incarne un des passagers de ce train, donc vous savez quand vous êtes dans un carré avec 4 places face à face et côte à côte. Nous, l'idée, c'est que selon la place où vous vous installez dans l'installation, j'y reviendrai, vous mettez un casque sur la tête et vous incarnez un des personnages de ce train, un des passagers de ce train. Donc chaque spectateur vit
une expérience en simultané avec les autres, en synchronisation, mais sans vivre exactement la même chose, puisque tout est vu de son point de vue à lui. Donc l'idée est celle-ci. Et si on va un peu plus loin, on a même voulu travailler la question finalement de qui sous-tend cette œuvre, qui est ce que nous on soutient en tant que société de production, qui est un peu de la VR d'auteur, qui est à la fois une niche dans la niche. C'était aussi de travailler sur les préjugés, les a priori qu'on peut avoir, notamment face à des inconnus, que ce soit dans le métro, dans le train, dans la rue, tout ce qu'on peut projeter sur eux, des pensées diverses et variées, le flux ininterrompu de nos pensées qu'on peut projeter sur nous, projeter sur les autres. Et ce dispositif de 4 sièges, de 4 casques, permet finalement d'aller voir aussi ce qui se cache dans la tête des autres, donc de pouvoir lire leurs pensées, mais même d'aller un peu plus loin que ça, puisqu'il s'agit vraiment d'incarner un autre personnage qui serait assis ensuite face à vous ou à côté de vous. Au niveau du casting, on a travaillé avec des comédiens français et québécois qui sont ici. Donc chacun incarne un des personnages de ce train. Donc on a un jeune homme d'une trentaine d'années qui, lui, a une histoire qui est proche de la comédie romantique, puisqu'il vient de tomber éperdument amoureux dans ce train. Et toute sa difficulté, ça va être d'arriver dans le laps de temps qui lui reste de son voyage, de rentrer en communication, de parler avec l'objet de son crush. En face de lui, on a une femme de 40 ans qui, elle, est très, très, très loin de ses tentatives de séduction, qui, elle, plongée dans un dilemme intime vraiment très profond, puisqu'elle doit prendre une décision qui va impacter potentiellement le reste de sa vie. Et à côté, côté fenêtre, on a une vieille dame qui est en train de perdre la mémoire et qui se raccroche à des souvenirs. Et le train lui permet finalement de dérouler le fil de sa mémoire et d'essayer de se raccrocher à des souvenirs heureux. Et enfin, le dernier personnage, c'est un enfant de 8 ans qui voyage tout seul, sans ses parents, et qui est en train de surmonter un peu la culpabilité de la séparation de ses parents. On a pour chacun une direction artistique qui est différente, puisque l'idée, c'était aussi de travailler 4 points de vue, 4 chapitres, et donc finalement d'avoir aussi ces perspectives sur le monde qui se reflétaient à travers une certaine forme de création artistique. Donc on a travaillé, comme on a travaillé à partir d'acteurs ensuite qui ont été pris en motion capture et scannés en 3D, si on peut aller sur la slide suivante. Je vais prendre l'exemple du personnage de lui, donc, qui est incarné par l'acteur Sébastien Chassagne. Donc on a capté en motion capture et en facial capture, qu'on a également scanné en 3D, ce qui nous a donné finalement la texture et son apparence extérieure. Et je vulgarise beaucoup, puisque je ne suis pas du tout experte dans toutes ces techniques, même si en tant que producteur, on a dû un petit peu les appréhender et les comprendre. Tout ça est ensuite placé dans Unity pour modeler vraiment un personnage en 3D temps réel, qui permet ensuite d'être très souple, très dynamique et interactif, comme je vais vous le montrer juste après. Et on a ensuite repeint à la main chaque personnage selon la direction artistique qui était dédiée. Donc là, on voit par exemple à droite le point de vue de Elle, qui ressemble un peu à des taches d'aquarelle qui vont se diffuser sur le personnage, puisque elle-même est en plein doute. Donc on avait voulu aussi adapter un peu la direction artistique à ce que traversent les personnages. Si on voit dans la slide suivante, on a le rendu final pour le point de vue d'Elle. Donc là, c'est lui qui est vu dans les yeux d'Elle, qui est en face d'Elle. Donc normalement, on a un petit shader, donc qui permet d'animer un peu les textures, qu'on ne voit pas ici puisqu'il s'agit d'un PDF et que donc c'est fixe. Et si on va dans les slides suivantes, on verra les points de vue. Alors là, c'est encore du work in progress puisque c'est une œuvre qui est en fin de fabrication. On a eu un petit peu de retard dû à récents événements qui nous concernent. Donc le point de vue de la dame sera en crayon, tout en noir et blanc, très contrasté. Et enfin, le point de vue de l'enfant sera avec un peu des taches de feutre, comme si lui-même avait redessiné, un peu repeint sur les passagers à certains endroits. Tout ça forme une narration qui est ensuite propre à chaque passager
et une narration qu'on a voulu également interactive, donc à travers plusieurs modalités d'interaction. Je passe un peu rapidement là-dessus. La première, c'est celle au regard. Puisque selon quel passager vous regardez dans votre chapitre, vous allez avoir notamment des voix off qui vont se référer à tel ou tel personnage. Donc si vous regardez plutôt l'enfant à côté de vous plutôt que l'homme assis en face de vous, votre flux de pensée de voix off intérieure sera différent. Et ensuite, selon le passager que vous incarnez, on a une modalité d'interaction supplémentaire qui est propre à la voix, au toucher ou au dessin, comme vous le voyez à l'image. Avec des indications variables. Donc, selon des moments, vous allez devoir parler à voix haute pour exprimer quelque chose. Donc, quand vous incarnez l'homme qui a eu un coup de foudre, vous allez devoir parler à voix haute pour pouvoir extérioriser finalement ce coup de foudre sans pour autant passer pour un harceleur de train. Donc, tout est là, voilà, la nuance est là-dedans. Vous allez aussi, si vous êtes la dame, vous allez devoir toucher la vitre du train à plusieurs reprises. Et si vous êtes l'enfant, à des moments clés, vous allez devoir redessiner soit sur la vitre, soit sur votre feuille de papier sur la tablette du train. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de chaque casque dans l'interaction. Et puisque la présentation qu'on fait aujourd'hui est plutôt orientée sur la diffusion et sur les musées, je vais axer la deuxième partie de mon intervention sur vraiment... l'installation physique, l'installation in situ qu'on a conçue autour de ces quatre expériences. Donc c'est un design qu'on a créé côté Québec, qui est porté par Daily Tous les Jours et par Rumker au design et ensuite à la fabrication par Accordex, qui sont trois sociétés montréalaises. Et on a voulu concevoir une installation qui rappelait finalement le voyage en train. Sans forcément recopier exactement un train, puisqu'on a tous en tête à quoi ressemble un train. Selon les compagnies, il y a évidemment quelques variations, mais on était plus ou moins quand même centré sur quelque chose d'universel qui est une sorte de carré de quatre places. Et on a transformé ça de manière assez minimaliste. Si on peut voir les concept art de la page suivante, merci. Avec une installation qu'on a également voulu modulaire, puisqu'on l'a conçue au printemps 2020, donc à un moment où l'intégralité des musées, des centres d'art, des festivals auxquels on se destinait ont fermé les uns après les autres et se sont transformés en événements virtuels. On s'est dit, mince, comment on fait ? Et on a finalement choisi deux aspects de modularité. On a cassé notre carré de train en finalement exploitant les sièges les uns indépendamment des autres pour permettre aussi la distanciation sociale. Donc finalement, dans l'image que vous voyez en bas à gauche, les deux sièges de train sont espacés d'au moins 2 mètres, un peu plus de 2 mètres, donc ce qui respecte la distanciation sociale entre les deux passagers. Et la pandémie mondiale ayant aussi impacté notre petit planning de production, on a finalement présenté en septembre, tout récemment, seulement 2 passagers sur les 4. Donc l'installation qu'on a conçue permet également de finalement rendre flexible cette diffusion et de la concevoir soit pour 2 passagers, elle et lui, soit pour les 4 que je vous ai présentés à l'instant, et le tout en les exposant sur un espace au sol un peu extensible. Et là, on voit donc le résultat à l'écran, on voit donc le résultat final qui a été montré, enfin un résultat à la fois final et donc temporaire, puisqu'avec seulement 2 personnages, qui a été montré en septembre dernier au Forum des Images dans le cadre du festival New Images, où on était dans la compétition XR. Donc on voit quelques images ici, on voit bien que les sièges pourraient à terme être rapprochés, les tablettes peuvent être en fait reconnectées entre elles, les 4 tablettes pour former une tablette un peu centrale, et les sièges peuvent être finalement clipsés côte à côte à l'avenir et également quand on aura les 4. En termes de diffusion, c'est une installation qu'on a conçue évidemment en voyant tout ce qui s'était fait avant, en termes de diffusion de réalité virtuelle dans des musées, dans des espaces in situ, dans des espaces de multi-utilisateurs. Je ne sais pas si, Chloé, tu as prévu de parler de The Enemy après, mais quand c'est un projet qu'on a pu faire dès 2017, je crois, dans ses premières itérations, c'est quelque chose qui nous a beaucoup inspirés, puisqu'on était, nous, au tout début de notre développement, notre réflexion là-dessus.
On a vraiment voulu penser quelque chose qui n'était pas en déambulation, mais qui était assis, qui reproduisait un peu ce qu'on vivait dans le casque, avec une idée assez forte pour les lieux qui nous accueilleront, qui était l'utilisateur ne choisit pas le personnage qu'il incarne, il choisit le siège. Il choisit s'il veut être côté couloir, côté fenêtre, ou dans le sens de la marche, ou dans le sens inverse. Finalement, comme quand on choisit sa place dans un vrai train, ça permet de garder une forme de surprise, notamment pour le premier passager que vous allez incarner, et en vous donnant ensuite l'idée de vous déplacer physiquement dans un autre siège pour aller tester ensuite, aller incarner un autre passager. C'est quelque chose qu'on a pu tester. Je veux bien qu'on revienne, pardon, sur la slide avant. On a pu tester, merci, en direct avec deux festivals cette année. Donc le festival New Images dont je viens de parler à Paris, pour lequel on a vraiment fabriqué et transporté à Paris toute l'installation que vous avez vu dans les photos. Et également le festival du Nouveau Cinéma à Montréal, qui, entre-temps, entre le moment de notre sélection et le moment de la diffusion, s'est virtualisé lui aussi. Donc on a pu tester finalement une autre forme de l'expérience qui a été en ligne, disponible sur Viveport. Donc c'est aussi une nouvelle modalité qu'on a aussi réfléchi pendant ce printemps et cet été un peu incertain. Une œuvre qu'on n'avait pas forcément pensé pour ça au début, qui sera finalement disponible en ligne selon un modèle d'achat économique classique sur les stores proposant de la VR, où là, cette fois, on pourra vraiment tester les quatre passagers les uns après les autres. Mais nous, vraiment, le cœur de l'expérience qu'on espère vraiment pouvoir commencer en 2021, c'est vraiment une expérience conçue pour des musées, des centres d'art, des galeries d'art, avec évidemment une petite orientation pour les musées en lien avec le monde ferroviaire, mais aussi des centres d'art numériques ou des musées ou des centres un peu interdisciplinaires. On est déjà notamment en discussion avec le Centre Phi, avec le 104, avec une galerie à Paris. Donc c'est des choses qui sont en discussion, ce qui rend, une situation sanitaire qui rend les choses un peu complexes aujourd'hui pour prévoir des dates précises, mais c'est des conversations qui sont actives. Et la deuxième modalité de diffusion in situ dont je voulais parler également, c'est la suivante, merci, c'est la diffusion dans des trains, puisque c'est un projet qui, dès sa genèse, a vraiment été pensé pour être diffusé dans un train en circulation, avec cette idée d'être assis vraiment à la place de son passager et de vivre là en même temps la même chose que lui. Donc là, on n'a pas besoin de sièges vibrants, puisqu'on aurait la vibration naturelle du train. C'est des choses qu'on a pu faire en test, puisqu'en développement, on a eu la chance d'avoir le soutien d'abord de la SNCF en France, puis de Via Rail au Canada. Avec la SNCF, on a pu faire des tests dans des TGV, au stade de notre prototype, et de pouvoir tester aussi des choses qui étaient justement de l'ordre du bien-être, de la connexion entre le corps virtuel, le corps physique, la vitesse du train et la vitesse des paysages qui circulent dans notre train virtuel. Donc c'était des choses très techniques. On s'est aussi rendu compte que c'était un projet qui était quand même assez lourd physiquement, qui n'était pas encore accessible à des casques sans fil. Et donc forcément que toute l'installation derrière, donc chaque casque est relié à un ordinateur et il y a ensuite un cinquième ordinateur qui pourrait être une tablette qui lance finalement l'expérience en synchronisation pour les quatre passagers. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément implémenter dans des trains de ligne tels que la SNCF où finalement les voyages sont de quelques heures, où les trains ne restent pas forcément très longtemps à quai dans les gares. Donc il y a eu toute une réflexion logistique avec la SNCF et ce qui nous a finalement amené à aller voir Via Rail et de penser le projet pour l'instant pour des voyages plus longs, donc pour une forme de divertissement embarqué qui est peut-être pour des voyages au long cours, des voyages en Europe ou en l'occurrence là au Canada. On a pensé ça pour la ligne Toronto-Vancouver, donc qui traverse les Rocheuses, et où c'est 4 jours de voyage. C'est 3 nuits, 4 jours. Donc forcément, les gens ont le temps d'aller expérimenter 40 minutes de réalité virtuelle. Et il y a dans ce type de train, des trains lounge, des trains restaurants, des trains divertissement pour la journée, et puis les wagons couchettes. Mais vraiment, dans les wagons, ce qu'ils appellent les wagons lounge, il y a la place finalement pour implémenter des installations
conçue vraiment spécifiquement pour. C'est un peu différent que d'utiliser un carré réel qui prendrait la place de 4 passagers payants pour la SNCF. Donc on voit bien que selon les trains, selon les voyages, selon les compagnies, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et on essaye aussi d'aller chercher, pourquoi pas, le public des gares, puisque finalement on peut passer quand même un certain temps dans les gares, et d'avoir cette expérience permettrait aussi d'offrir une expérience un peu immersive dans des lieux où on a l'habitude de faire tout à fait autre chose. C'est une expérience qui permet d'avoir quand même une jauge assez rapide, puisque c'est une expérience qui dure 10 minutes vraiment dans le casque, et donc on peut avoir des passagers qui tournent toutes les 20 minutes, en comptant même la désinfection des casques entre chaque passager. C'est une installation, pour l'installation in situ, hein, là, je reviens là sur les musées et les lieux en dur, c'est une installation qu'on propose clé en main, la scénographie est prête à monter, le matériel également, tout est fourni, et ensuite nous on travaille avec des lieux selon des modalités qui sont vraiment à voir au cas par cas avec eux, qui ne sont pas de la coproduction, puisqu'ils ne sont pas du tout, ce ne sont pas des lieux qui ont été investis dès le préfinancement, dès le développement de l'œuvre, mais sous forme de soit de licence d'exploitation pour un temps donné, soit de partage de billetterie, selon voilà, des modalités qui sont aussi là assez ouvertes, assez flexibles, et qu'on a envie d'explorer avec chaque lieu les uns après les autres. C'est coproduction canadienne oblige, une expérience qui a été enregistrée, doublée, conçue et écrite à la fois en français et en anglais. Donc c'est vraiment deux versions originales qu'on propose en parallèle. Et si vous voulez en savoir plus, mes coordonnées sont sur la dernière slide. Voilà, j'ai fini pile poil pour mes 20 minutes. Voilà, je serais ravie de répondre à vos questions après si il y en a. Merci beaucoup. Merci Oriane, c'était super complet et minuté, donc c'est parfait. Alors du coup, je vais peut-être enchaîner avant de donner la parole à Anne-Sophie sur du coup nous nos expériences chez Lucid Realities. Alors je veux bien la présentation, merci beaucoup. Donc nous on est un tout jeune. Toute jeune société de production vraiment, disons, dédiée aux expériences immersives, puisque Lucid Realities n'a que 2 ans et demi. Mais en effet, comme le rappelait gentiment Oriane tout à l'heure, j'ai produit avant Lucid Realities dans le cadre d'une autre société, Caméra Lucida, qui reste une société sœur avec nous, un projet qui s'appelait The Enemy, qui s'appelle toujours The Enemy, et qui a, je pense, un peu mis un cadre, en tout cas une première expérience qui a pu influencer un certain nombre d'autres après. Donc peut-être si je peux juste vous demander, voilà, de passer à cette slide-là. Avec The Enemy, donc j'en parle rapidement, je vais pas remontrer des images parce que j'en ai beaucoup parlé jusqu'à présent, mais vous pourrez trouver tout plein de choses sur theenemyishere.org, qui est le site internet, et puis un peu partout. C'est donc ce projet de Karim Ben Khalifa qu'on a lancé en 2017, avec lequel sur lequel on avait travaillé pendant près de 4 ans avant, et qui a été inauguré en fait à l'Institut du Monde Arabe à Paris, et qui mettait en place une installation pour 20 utilisateurs dans un casque VR équipé de ce qu'on appelle des backpack PC, donc des ordinateurs qu'on porte sur le dos, et de casques de réalité virtuelle qui sont traqués dans un grand espace de 300 mètres carrés et qui permettent du coup aux utilisateurs de se déplacer sur ces 300 mètres carrés et de se déplacer dans le contenu de cette expérience. Alors l'idée de The Enemy était de se confronter avec
des couples, j'ai envie de dire, d'ennemis de différents conflits, et de provoquer une rencontre entre le spectateur et ces personnes-là. C'est un projet documentaire, voire même journalistique, conçu par Karim Ben Reifa, qui est un ancien photographe de guerre et qui a voulu, à travers ce projet, faire vivre au spectateur un petit peu de ce que lui pouvait vivre. Et il nous a permis, en fait, nous, en tant que producteurs et distributeurs, de mettre en place vraiment comme un format, en fait, d'expérience ou d'exposition. Qui est donc multi-utilisateur, qui est donc ce qu'on appelle location-based experience ou LBE, qu'on peut aussi appeler in situ. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des expériences qui sont faites pour être vécues dans un lieu, et éventuellement d'être même entouré d'une partie hors casque, qui peut être une exposition physique ou une animation ou une installation, voilà. Et donc quand j'ai fondé Lucid Realities, l'idée était vraiment de développer ce type de format et d'expérimenter évidemment du multi-utilisateur, du single utilisateur, d'arriver aussi à développer des business models différents, puisque on est vraiment au tout début, disons, de ce nouveau champ de la réalité virtuelle et narrative, qui, comme le disait Oriane, est une niche dans la niche, c'est-à-dire que déjà tout le monde n'a pas accès à la réalité virtuelle, à des casques, mais évidemment ceux qui peuvent avoir accès à des casques sont plus familiers des jeux vidéo en réalité virtuelle, et nous, vous l'aurez compris, nos productions sortent un peu de ce champ-là, et donc l'idée était plutôt de trouver des formats qui amène l'expérience à une audience plutôt que d'amener l'audience à l'expérience, ce qui n'est pas toujours simple quand on n'a pas d'énormes moyens marketing, et donc d'aller dans des lieux où il y a déjà des visiteurs, comme les musées, les trains, toutes sortes de lieux physiques qui ont déjà eux-mêmes un public, et de leur proposer de découvrir des expériences auxquelles ils auraient peut-être même jamais songé d'essayer. De proposer aussi par ce biais une expérience sociale, puisque on va souvent dans ces lieux à plusieurs. Donc de pouvoir partager l'expérience avec son compagnon, sa compagne, ses enfants, ses amis, enfin tout ça. Et de trouver, on a pu le voir à travers les deux exemples qui ont été présentés là, une nouvelle forme de partenariat avec les musées pour à la fois ce que nous on appelle des préventes dans notre métier de producteur, c'est-à-dire arriver à les inclure dans des plans de financement comme des lieux de diffusion à venir, mais également, et ça c'est très très important, de nous aider à assurer le marketing et la promotion de ces œuvres, parce que encore une fois c'est des projets qui sont évidemment ambitieux pour l'état des lieux un peu de notre champ narratif, mais qui ne bénéficie pas de budget de jeux vidéo ou de blockbusters de cinéma. Et donc, on a besoin de trouver des partenaires de financement, mais aussi de promotion. Donc, je vais m'arrêter un peu plus longuement, j'ai déjà passé 7 minutes sur ce sujet, mais un peu plus longuement sur deux exemples, si on peut passer à la slide suivante. Bon, un premier exemple qui était un projet qu'on a coproduit et qui est sorti il y a presque 2 ans maintenant, dans sa version justement in situ, qui s'appelle Claude Monet, l'obsession des nymphéas. C'est un projet réalisé par Nicolas Thépeault, écrit et réalisé par Nicolas Thépeault, autour des nymphéas, enfin des différents panneaux des nymphéas qui sont exposés au musée de l'Orangerie, mais
plus largement autour, évidemment, de tout le travail de Claude Monet, de son obsession des nymphéas, du travail qu'il a fait sur la lumière, cette lumière mouvante qui se reflète sur les temps de... Je ne trouve plus le... De Giverny, merci, de l'étang de Giverny où il avait sa maison. Donc ce projet a été coproduit avec le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie, qui était évidemment le premier partenaire vers lequel on s'est tourné, puisque ils ont non seulement ils exposent les œuvres de Claude Monet, mais par ailleurs ça nous paraissait un lieu assez extraordinaire pour leur proposer une première expérience de réalité virtuelle dans leur mur. Et il a été coproduit également avec la chaîne de télévision, en tout cas Arte France, et notre coproducteur allemand, Gebrüder Bitz, qui développait en même temps d'autres titres autour d'œuvres de peinture travaillées en réalité virtuelle. Alors, comme vous pouvez voir cette slide, on a eu la chance qu'il soit sélectionné dans plein de festivals, mais au-delà des festivals, ce qui était une très bonne chose, mais c'est parfait, on peut passer à la suivante, merci. L'idée pour nous était vraiment de trouver un moyen pour le présenter dans des lieux. Et vous l'aurez compris, on est des producteurs, donc de trouver aussi un modèle économique. Ça, c'est quelques visuels de l'intérieur de l'expérience qui nous mènent donc de l'atelier de Claude Monet reconstitué, puisqu'aujourd'hui, c'est la boutique de sa maison à Giverny qui est visitable. De l'étang de sa maison de Giverny qu'on découvre à différentes saisons et à différentes heures du jour et de la nuit. Et puis, on a vraiment une plongée très, très intime avec la peinture, avec une séquence qui nous permet de vraiment découvrir en 3D la matière, le détail de cette peinture qui est faite de très nombreuses couches qui permettent de réaliser ce décor mouvant, en fait, qui on voit très bien quand on est à l'Orangerie que selon la place qu'on a devant ces œuvres, si on est proche, si on est loin, si on se met à droite, à gauche, en fait, on en a une vision complètement différente et c'est vraiment la force de ce travail de Claude Monet. Si on peut passer à la slide suivante, on a pu, avec ce projet, du coup, monter une exposition au musée de l'Orangerie, ce qui nous a permis d'avoir un retentissement, j'allais dire, international. Et ça, c'est évidemment très important, puisque, comme je le disais, c'est des formats vraiment très nouveaux. Et là, le fait d'être présenté, en fait, in situ, a permis de faire venir des journalistes, ce qui est toujours une bonne chose, mais aussi pour ces journalistes qui, évidemment, eux, ne sont pas équipés de casques de réalité virtuelle, d'avoir l'opportunité tout simplement de découvrir l'œuvre et de la découvrir dans son expérience in situ, dont je vais vous montrer quelques images sur la slide suivante. Voilà. Donc on a installé avec la collaboration du musée. Alors il y avait trois postes en fait de réalité virtuelle dans la galerie inférieure du musée de l'Orangerie. Ça, voilà, donc vous voyez sur des sièges tournants, là, ces sièges argentés qu'on a conçus pour cacher au maximum tout l'ordinateur, le câblage, tout ça qui sont pas très jolis, disons. Donc tout ça est rangé à l'intérieur du siège et ça permettait d'avoir cette expérience avec un médiateur et finalement de pouvoir présenter l'œuvre qui dure 8 minutes tout au long de la journée sans pré-réservation, juste en prenant un ticket en arrivant en fait dans la galerie pour éviter d'avoir une trop longue file d'attente
visite et permettent aux visiteurs de poursuivre leur visite et de revenir à l'heure qui était inscrite sur leur ticket. 4 mois d'exposition au musée de l'Orangerie, près de 11 000 utilisateurs. Donc c'était déjà une première exposition vraiment intéressante, qui nous a permis d'avoir un partenariat avec Vive Arts, qui est un programme de HTC qui permet au musée de faire du prêt de casques et parfois même d'avoir vraiment de la représentation auprès de la presse. Ils nous ont permis de créer des films qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux très largement et à un niveau international. Donc je les remercie ici. Lucid Realities faisait une hotline en direct en fait pour un technicien médiateur que nous avions formé et qui lui s'occupait donc du stand VR de façon assez simple. Des quelques statistiques, alors moi je les vois pas, j'espère que vous les voyez mieux sur votre écran, mais qui montrent qui ont été faites du coup sur une étude à la fin de ces 4 mois, qui montrent alors d'abord un très haut taux de satisfaction. Je crois qu'on est à près de 80% de très grande appréciation de l'expérience. Un public assez diversifié puisque l'expérience a été produite en 3 langues et les 3 langues étaient disponibles sur place. Et aujourd'hui, on travaille à une version chinoise pour encore plus d'exploitation. Un public, alors c'est vrai que le public de l'Orangerie est évidemment très international, mais aussi local, c'est-à-dire qu'il y a des expositions temporaires qui font que le public parisien ou d'Île-de-France revient régulièrement. Et on a touché dans sa grande diversité tous ces publics-là. Et avec finalement aussi pas tellement de différence d'âge, c'est-à-dire qu'on a pu toucher un public de 15 à 80 ans, ce qui très certainement dans d'autres lieux n'aurait pas été le cas. Sur la slide suivante, une petite visibilité. Donc cette expérience a été présentée, une version 360 est disponible sur un certain nombre de plateformes online, mais le succès de l'expérience, de l'exposition au musée de l'Orangerie nous a permis de monter des expositions assez longues sur dans plusieurs pays du monde, au Canada, au musée des Beaux-Arts, au National Palace Museum de Taïwan, au Muséum d'art de Jeju en Corée, au Kaohsiung VR Lab, c'est aussi à Taïwan, et on ouvre, je crois, dans 15 jours, une exposition de 4 mois dans un tout nouveau musée de Corée du Sud qui s'appelle le Jeonnam Museum et qui inaugure en fait son musée par... qui pré-inaugure même son musée par une exposition d'œuvres immersives de Lucid Realities. Alors, pour aller assez rapidement, une deuxième expérience qui a été faite in situ, un projet qu'on a produit avec Dominique González-Forster, qui est une artiste que je n'ai plus à présenter, qui est connue mondialement et qui a produit l'année dernière une œuvre qui s'appelle Endodrome pour la Biennale de Venise, la Biennale d'art de Venise. Et l'œuvre était conçue pour du multi-utilisateur, donc 5 utilisateurs en même temps, avec une projection extérieure. Et là, l'œuvre était vraiment dédiée à une expérience commune. Donc l'idée était que les 5 personnes entraient en même temps dans cette salle. Tout le monde commençait l'expérience en même temps. C'est
dans une espèce de communion, en fait. Vraiment, c'est l'idée de cette œuvre, de faire une séance commune. Donc, on entend aussi les réactions des gens. On peut participer à l'œuvre par un chant. Et l'idée, vraiment, de Dominique Anzès-Forster était de créer une expérience cérémoniale presque autour de cette table, qui incluait du coup un public extérieur qui pouvait assister à cette cérémonie vue de l'extérieur, en voyant aussi la projection de cette animation qui rappelle ce que les utilisateurs voient dans le casque. Donc la Biennale de Venise, c'est un événement qui dure 6 mois, à Venise évidemment, et du coup une très belle exposition de cette œuvre qui va être présentée, je pense aussi dans des musées par ailleurs. Je finis juste, mais c'est important, par dire que dans notre réflexion pour créer ces expositions et dans nos relations avec ces différents musées, on a essayé un peu de mettre en place en fait des modèles économiques qui passent par en effet ou de l'exploitation sous forme de licence, mais également par des frais techniques, parce que c'est vrai que ce type d'exposition en contient souvent. Il y a de la scénographie, il y a de l'achat ou de la location d'équipement, il y a de la formation des équipes de médiation, de l'équipe technique, il y a de la maintenance à distance, c'est important, des assurances, parce que tout ça crée des nouvelles façons d'exploiter. Il y a aussi des enjeux de sécurisation de ces contenus qui sont envoyés un peu partout. Tout ça fait partie de ce que, en tout cas, d'un nouveau métier qu'on est en train de bâtir avec d'autres, et que fait mon collègue Alexandre Roux chez Lucide Rétis, de transformer ça en fait en une relation contractuelle avec un musée qui devient diffuseur du coup de ce genre d'œuvre. Alors évidemment avec des choses différentes. Ça peut être selon la durée, ça peut être selon le nombre de casques. On a vu que l'expérience Claude Monet, c'est un seul casque pour un seul utilisateur, mais on peut imaginer qu'il y ait 10, 20 casques selon les espaces. Ça peut être une licence flat, ça peut être du partage de revenus quand il y a de la billetterie. Tout ça fait partie évidemment de nouvelles chose à réfléchir pour nous, producteurs, qui avant, finalement, ne faisions que donner un PAD à une chaîne de télévision. Voilà. Et je pense que ça introduit tout à fait la présentation que va nous faire Anne-Sophie Brault sur, du coup, le travail de l'Institut français qui nous aide... Ah, pardon, j'avais une dernière slide. C'était juste... Alors, excuse-moi, Anne-Sophie, de présenter des nouveaux projets qui sortent et sur lesquels on travaille justement à ces mêmes exploitations. Donc, The Starvation Beach, qui est en coproduction avec le Muséum d'Histoire Naturelle, Lady Sapiens et Archivier, qu'on coproduit avec le CMN. Lady Sapiens, c'est un projet Little Big Story en coproduction avec Ubisoft, sur lequel nous sommes producteurs exécutifs et Lucide Reality, et distributeurs, pardon. Et Archivier, qui est une collection dans un premier épisode sur la Villa Savoie et qui sera présentée à la Villa Savoie. Donc j'introduis maintenant Anne-Sophie Brault, merci, c'est un peu au pas de course finalement, c'est 20 minutes. Anne-Sophie donc, va nous présenter toute l'activité de l'Institut français qui est un partenaire extrêmement important pour nous producteurs et en particulier avec le travail qu'ils ont fait autour d'un catalogue. Je me tais. Merci beaucoup Chloé, merci beaucoup à l'association PXN et au Forum Entreprendre la Culture pour cette invitation. Donc je suis Anne-Sophie Brault, je suis responsable du pôle appui aux cultures numériques au sein du département numérique de l'Institut français.
Vous présenter peut-être deux mots sur ce qu'est l'Institut. Donc l'Institut français est l'opérateur public en charge de l'action culturelle extérieure de la France. Il a pour mission d'accompagner à l'international les œuvres et les artistes français. Il encourage la diffusion de la langue française, il favorise les échanges intellectuels ainsi que le débat d'idées. C'est un opérateur qui agit sous double tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et travaille en étroite collaboration avec le réseau culturel français à l'étranger. Donc le réseau culturel français à l'étranger, c'est à la fois les 98 instituts et leurs différentes antennes. Ce sont les plus de 800 alliances à l'international, ainsi que tous les services culturels d'ambassades et de consulats qui, au quotidien, font vivre la culture et la langue française à l'international. Alors, je vais vous présenter rapidement le pôle Appui aux cultures numériques, dont la mission principale est d'accompagner à l'international les acteurs français de la création numérique et notamment effectivement tous les producteurs de l'association PXN. Alors, ce que nous on entend par création numérique, en tout cas les secteurs qu'on accompagne, sont effectivement la réalité virtuelle, qui est un champ extrêmement créatif. Les expériences immersives, dont je veux parler plus longuement dans la seconde table ronde, c'est tous les croisements de la réalité virtuelle avec le spectacle vivant, les arts visuels, toutes les expériences immersives in situ, je vous en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Les arts numériques, le croisement aussi des arts numériques avec le spectacle vivant, tous ces formats hybrides. Voilà, donc on voit ici à l'image. C'est également, alors je vais passer à la place suivante, voilà, le jeu vidéo, bien sûr, hein, une industrie culturelle française extrêmement importante qui participe vraiment au rayonnement de la France à l'international. Alors, la web, tout ce qui est web création, création transmédia, toute la création aussi pour mobile. Le livre innovant, donc ça, c'est toutes les nouvelles formes de narration littéraire offertes par le numérique. Et la médiation numérique, dont je vous parlais un peu plus longuement, qui sont tous les contenus, outils, dispositifs numériques qui permettent de valoriser à la fois le patrimoine mobilier, donc les collections des musées, des lieux culturels, également le patrimoine immobilier, donc les sites touristiques et patrimoniaux qui peuvent se saisir du numérique pour enrichir toujours l'expérience des visiteurs et attirer de nouveaux publics. Alors, avant de rentrer plus en détail du catalogue qu'on a mis en œuvre pour accompagner les acteurs de la médiation numérique, vous redire juste quelques mots sur comment l'Institut français accompagne à l'international les acteurs français de la création numérique. Alors, on a plusieurs programmes, plateformes dont je vous parlais très rapidement. Donc, on a initié pour partager au réseau culturel et plus largement à tous toute la création et la grande qualité des œuvres numériques françaises, on a initié 4 sites internet dédiés que je vous invite vraiment à aller découvrir, qui sont des sites bilingues, français et anglais, pour que le réseau culturel puisse partager, présenter en tout cas toutes ces œuvres à l'international. Contributif, c'est-à-dire qu'on invite les professionnels français à y référencer leurs œuvres et leurs structures. Donc, les professionnels qui m'écoutent et qui sont concernés par ces secteurs, voilà, n'hésitez pas à vous référencer. Donc, on a actuellement 4 sites, un qui s'appelle culturevr.fr sur les réalités immersives, un second qui s'appelle futurlivre.fr sur le livre innovant, un troisième futurimage.fr sur tout ce qui est, j'en parlais tout à l'heure, transmédia, web-série, web-création, et un quatrième site qu'on vient de sortir cet été qui s'appelle culturegamer.fr qui est consacré aux jeux vidéo français indépendants. Donc j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés par ces secteurs à aller voir les œuvres qui sont référencées, qui vous donneront une idée des talents français. Vous dire aussi, nous, notre rôle justement, c'est d'accompagner à l'international ces œuvres françaises. On met à disposition du réseau culturel, donc des instituts, alliances, services culturels d'ambassade,
des contenus dont ils peuvent se saisir et qu'ils peuvent diffuser. Et notamment, un exemple, c'est ce qu'on appelle, nous, la sélection VR, qui est un catalogue d'œuvres de réalité virtuelle qu'on met à disposition du réseau culturel français à l'étranger pour des diffusions non commerciales. Donc, ce qui leur permet, voilà, au réseau culturel de montrer à leur public ces créations, avec l'idée que ces projections non commerciales puissent ensuite déclencher pour les producteurs français des achats commerciaux pour le coup de leurs œuvres. Alors, on a une opération phare qui va bientôt, très très prochainement démarrer, qui s'appelle Novembre Numérique. Alors, Novembre Numérique, c'est une manifestation internationale pendant laquelle on invite le réseau culturel à se saisir des cultures numériques sous toutes leurs formes. Avec, du coup, ça prend des formes extrêmement variées, c'est un événement tout à fait pluridisciplinaire, avec à la fois des spectacles, des expositions, des conférences, des game jams, des hackathons. En tout cas, c'est de montrer comment les cultures numériques maintenant sont présentes de nos vies, c'est aussi diffuse l'ensemble du champ artistique et sont aussi effectivement interrogées aussi la place des cultures numériques dans nos vies. En 2019, on était présent dans 60 pays, 85 villes. On aura encore une diffusion plus importante cette année, avec dans le contexte actuel des programmations qui se tiendront in situ, mais aussi en ligne. Voilà. Et aussi, une autre façon pour nous d'accompagner les acteurs français de la création numérique, c'est effectivement d'organiser des rencontres professionnelles, de connecter au maximum professionnels français et professionnels étrangers pour créer, pour diffuser les œuvres et aussi pour susciter des coproductions. On a notamment un programme qu'on appelle le Focus, qu'évoquait tout à l'heure Escalanta, puisqu'on a organisé effectivement l'année dernière un focus sur la médiation numérique. Donc un focus, très simplement, ça consiste à inviter des professionnels étrangers en France autour d'une thématique donnée, et donc de leur faire découvrir à la fois les œuvres et surtout de les connecter avec les professionnels français de ce secteur. En 2018 et 2019, un focus sur les réalités immersives. En 2019, on en parlait, donc ce focus médiation numérique organisé en partenariat avec le festival Pixie de La Rochelle. Et cette année, un focus sur les arts numériques en partenariat avec la Biennale Chronique. Voilà, donc très rapidement un petit peu quelques actions qu'on mène pour promouvoir les acteurs français de la création numérique à l'international. Et je vais m'arrêter plus particulièrement sur une nouveauté, un catalogue qu'on a lancé cet été, qui s'appelle, sur la médiation numérique et l'innovation culturelle. Vous voyez le titre en anglais parce que effectivement c'est un catalogue qui est disponible en anglais parce qu'il s'adresse aux partenaires du réseau culturel français à l'étranger que sont les musées, les lieux culturels, les sites touristiques et patrimoniaux, avec l'objectif de ce catalogue est vraiment de valoriser à l'international auprès de ses partenaires l'expertise et les savoir-faire français dans ce secteur. La France bénéficie reconnaissance dans le champ de la médiation numérique qui est liée à son histoire muséale, patrimoniale et touristique. Les musées à l'étranger font très régulièrement appel, se mettent en contact avec nos grands musées. Le Louvre évidemment en est un. Voilà, généralement tous les musées à l'international veulent tous voir, regardent tous du côté de ces grandes institutions ce qui s'y passe. Et on a la chance d'avoir dans le secteur public français d'excellents musées qui utilisent les outils numériques pour enrichir l'expérience des spectateurs, des visiteurs. Ce qu'on souhaitait avec ce catalogue, c'est valoriser justement les entrepreneuses et entrepreneurs, et donc notamment les producteurs notamment qui sont en partie rassemblés dans l'association PXN, qui eux proposent justement des contenus, des installations, des outils, des services pour enrichir l'expérience des visiteurs, des musées et valoriser leurs collections.
Donc pour ça, on a fait donc ce catalogue qui recense une soixantaine de structures qu'on a classées par catégorie, sachant que des structures, effectivement, généralement ont plusieurs outils dans leur proposent plusieurs compétences. Et donc vous avez là on les a classés un petit peu pour que ce soit plus lisible par activité principale. Donc on a des sociétés à la fois qui proposent des contenus, que ce soit en réalité virtuelle, en réalité augmentée, voilà, qui permettent de proposer une nouvelle façon aux visiteurs de regarder les œuvres, sociétés qui proposent des outils et des contenus de médiation numérique, des sociétés qui sont en charge de la numérisation 3D, d'autres qui ont développé des applications pour favoriser la circulation des visiteurs dans les musées. Enfin voilà. Donc on a essayé de référencer tout ça. On y référence aussi également à la fin des institutions culturelles françaises qui proposent des offres justement commerciales à destination des musées, lieux culturels, sites touristiques et patrimoniaux à l'international. Ce catalogue, avant de passer aux fiches pour vous le présenter un peu, on a souhaité mettre en introduction un certain nombre d'interviews de grands acteurs français qui utilisent la médiation numérique, comme par exemple le Centre des Monuments Nationaux. On a aussi une interview de la Cité des Sciences, du Musée du Louvre, du MUCEM, qui explique pour eux quel est l'intérêt de prendre contact avec des producteurs qui peuvent leur proposer des expériences numériques, et voilà quel est l'intérêt pour qui explique en fait voilà que ça permet vraiment de renouveler le regard des visiteurs sur les œuvres, ça permet de vraiment d'augmenter on va dire l'expérience visiteur, et donc voilà c'est un peu un argumentaire qui explique tout l'intérêt que peuvent avoir les lieux culturels à se saisir du numérique. Voilà, donc là, on voit une interview notamment de Valérie Sangor. Je vous invite à aller consulter les autres. D'ailleurs, je leur rappellerai à la fin, mais ce catalogue, il est disponible à tous en ligne sur le site de l'Institut français. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller après le regarder plus largement. On veut vraiment le diffuser le plus largement possible. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante. Donc là, je vais vous montrer quelques fiches justement. Donc là, sur les qui présentent des structures qui justement produisent et distribuent des contenus. Alors, j'ai pris quelques fiches, pas au hasard. On a justement donc la fiche, par exemple, de Lucid Realities, parce que voilà, c'est un service effectivement qu'on propose. Voilà, on présente les savoir-faire de Lucid Realities. Donc, vous voyez, les fiches sont toutes construites à peu près sur le même modèle, où on présente à la fois à gauche, vous voyez, l'expertise et les savoir-faire de la société. On présente ensuite ses principales réalisations. Pour donner une idée, on insiste d'ailleurs aussi sur les réalisations qu'ils ont déjà pu effectuer à l'international. Sur la partie en haut à droite, vous voyez donc à la fois la catégorie principale, sachant qu'effectivement souvent, comme je vous l'expliquais, ils ont plusieurs cordes à leur arc, donc on a aussi les autres compétences qu'ils peuvent mettre à disposition. On a les références, donc on a aussi les grandes institutions avec lesquelles ces structures ont pu travailler, et le contact, parce que l'idée, une nouvelle fois, c'est que ce catalogue puisse être remis dans les mains des lieux culturels à l'étranger, et qu'ils puissent après se rapprocher de ces producteurs pour imaginer des projets. On peut regarder la seconde fiche, donc celle qui était présentée tout à l'heure, celle d'Escalanta. Là, on peut suivre. Voilà, pareil, toujours construit sur le même modèle. On peut passer aux suivantes. Voilà, un autre exemple. Alors, je ne les ai pas toutes mises, mais en tout cas, voilà. Donc, Narrative aussi qui propose de très beaux contenus. On peut enchaîner. Voilà, sur aussi tout ce qui est médiation numérique, des contenus justement éducatifs à destination des visiteurs. Avec aussi cette Istopad par exemple développée par Istovery qui permet aussi de mobiliser aussi les nouveaux publics et de renouveler ces visites de musées et de lieux touristiques. Donc là il y a Timescope, il y a plusieurs. Alors je vous ai mis quelques exemples une nouvelle fois. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Institut, télécharger ce catalogue pour découvrir toutes les structures françaises qui y sont référencées.
on peut encore défier. Voilà. Alors aussi, on a référence également des structures qui propose des mappings, notamment tout ce qui permet de valoriser les monuments. Donc on peut passer pour une fiche, voilà. Donc c'est mappings monumentaux qui sont faits sur des façades de musées. Voilà, d'autres exemples. Des structures aussi qui sont là pour imaginer justement le design, l'installation, les dispositifs installatifs dans les expositions. On peut passer, voilà, donc plusieurs exemples. Voilà, toute la scénographie. Également des sociétés qui travaillent dans la numérisation 3D en particulier. Voilà, comme Iconem, qui est bien connu à l'international. Et également des outils, applications, comme je vous disais, qui permettent de gérer le flux des visiteurs, de créer des nouveaux liens aussi avec les publics. L'idée étant que les outils numériques permettent à la fois, la médiation permet à la fois d'anticiper la visite, de, on va dire, l'augmenter quand elle a lieu et de la prolonger. Donc c'est vraiment ça. Là, par exemple, Gazview, qui est un recueil, on va dire, d'avis électroniques qui permet après de suivre, de faire un suivi avec les visiteurs sur leur ressenti de l'exposition qu'ils viennent voir. Affluence, qui permet, qui est une application qui permet, par exemple, de mesurer en temps réel l'affluence des personnes justement à telle ou telle visite, qui permet de gérer du coup le flux des visiteurs. Ask Mona, qui est un chatbot qui permet justement aussi de répondre aux questions que peuvent se poser les visiteurs, de susciter la visite. Et après, on référence également dans ce catalogue des solutions plus techniques qui peuvent être proposées justement au musée ou au lieu culturel. Voilà, on va avoir quelques exemples, que ça soit des lieux qui souhaitent justement s'équiper en casque de réalité virtuelle pour ensuite accueillir les contenus proposés justement par les producteurs français. Voilà, donc Hervé, donc là, un casque HoloLens. Voilà. Et donc, comme je vous disais, à la fin, on référence un certain nombre d'institutions culturelles qui proposent une offre aussi à destination des lieux culturels à l'étranger, que ce soit le Centre des Monuments Nationaux, qui a développé notamment un incubateur du patrimoine, qui accompagne justement des start-up qui développent des solutions innovantes pour la médiation numérique. Grand Palais, voilà, on a le Grand Palais. Alors, je ne les ai pas tous mis, donc vraiment, une nouvelle fois, je vous encourage vivement à aller sur le catalogue de l'Institut français, enfin, sur le site de l'Institut français pour télécharger le catalogue et le découvrir dans son intégralité. Sur la dernière slide, justement, j'ai mis le lien pour ceux, normalement, si vous tapez médiation numérique, hein, vous allez tomber tout de suite dessus. Juste pour finir, vous redire que le site de l'Institut, au-delà d'y aller pour aller télécharger ce catalogue, je vous invite vraiment à y aller régulièrement, à vous y inscrire pour recevoir la newsletter. C'est vraiment un site qui, dans sa partie grand public, met quotidiennement en avant des artistes, des œuvres, des événements culturels dont on se charge vraiment de faire la promotion à l'international. C'est aussi un site qui est un espace professionnel dans lequel tous les acteurs culturels français peuvent trouver, c'est vraiment une mine d'informations sur tous les programmes, dispositifs de l'Institut pour vous accompagner à l'international. Là, moi, j'ai parlé des actions du département numérique, mais voilà, on est l'ensemble de l'Institut français, tous les départements on couvre l'ensemble du champ artistique. On a vraiment cette spécificité-là. Et vraiment, n'hésitez pas à les consulter régulièrement, à vous inscrire, si vous êtes un professionnel de la culture, dans la partie professionnelle, pour voir tous les programmes, les projets qui sont initiés afin de vous accompagner dans votre développement à l'international. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci à tous d'ailleurs. Alors, je crois qu'il nous reste juste quelques minutes, vraiment 5-6 minutes. 5 minutes. Alors, il était peut-être question qu'il y ait des questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Eh bien alors, peut-être avons-nous des questions à nous poser.
Donc voilà, après un petit peu ce panel de différents types de relations qui se tissent en effet entre les producteurs d'expériences numériques et les musées ou les lieux de culture. Donc je ne sais pas, Pascal, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou des questions à poser un peu à Anne-Sophie, à Oriane? Alors, des tas de questions, mais et à toi aussi. Très bien. Des tas de questions, donc ça, c'est très... Mais ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a des choses qui sont à la fois innovantes. L'impression que j'ai, c'est que c'est à la fois innovant sur le plan technique, sur le plan artistique et sur le plan de la production, et que ça crée de nouvelles relations, tous les projets là, dont on parle, à la fois, et aussi avec les institutions. Voilà, donc ça pose plein de questions justement, ouais. Parce que chaque cas est particulier, ça trace des pistes différentes, ça expérimente des choses différentes dans les relations, et voilà, donc ça en pose plein. Ben, je pense que c'était un peu l'idée du coup de cette table ronde, c'était de poser disons, différentes pistes qui sont explorées aujourd'hui par PXN et donc juste pour reprendre un peu le rôle en fait de cette association qui est vraiment d'avoir un lieu d'échange en fait entre les producteurs, d'entraide, de solidarité évidemment, parce que on en a besoin aujourd'hui, mais aussi de retour d'expérience et donc le but de PXN est évidemment de pouvoir participer à des événements comme cela pour faire profiter plus largement d'expériences faites par les producteurs, mais aussi de mettre en place, et voire même de lutter pour mettre en place, on va dire, parce que c'est une association militante. Donc, un peu l'évolution, en fait, entraînée par des nouveaux usages, entraînée par des nouvelles formes de diffusion qui ne pouvaient pas exister avant parce que tout simplement... Les œuvres telles que celles-là n'existaient pas. Et donc aujourd'hui, d'essayer de faire, voire même évoluer la réglementation. Donc, c'est vrai qu'Isabelle en parlait tout à l'heure de dire que il y avait les marchés publics pour répondre voilà, à des demandes des musées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une relation entre musées et producteurs qui est peut-être un peu plus équilibré puisque l'innovation vient aussi des producteurs et que les musées sont assez ouverts à ce genre de nouvelles propositions. Alors après ça pose plein de questions réglementaires de comment c'est vrai que on entend souvent dire oui mais proposer de la coproduction c'est en fait essayer de passer outre les règles des marchés publics. Mais voilà, les différentes expériences présentées aujourd'hui montrent que c'est pas du tout ça l'idée en fait. C'est vraiment parce que la relation change en fait et que on n'est plus dans de la commande, on n'est plus dans la volonté d'une institution de faire quelque chose par rapport à une programmation, ce qui peut encore être le cas parfois, mais bien au contraire, un accompagnement des producteurs d'œuvres d'artistes ou de réalisateurs ou de documentaristes ou même de nouveaux formats techniques qui permettent une exploration un peu comme votre outil de data visualisation qui permet si j'ai bien saisi vraiment plein de formats différents en fait et d'être appliqué à tout un champ à des milliers de champs, j'irais même jusqu'à dire. Et du coup, que le fait que ces propositions viennent des producteurs, finalement, change aussi la relation avec le musée, qui devient plus un partenaire qu'un commanditaire, qui devient parfois, la plupart des fois, minoritaire, en fait, dans les productions, mais pour son bien, on va dire, puisque ça permet d'être plus ambitieux dans les projets, d'être aussi sur des projets qui vont finalement faire aussi voyager leur marque quand ils sont partenaires. Donc c'est important. Enfin, je sais que nous, en tout cas, c'est une chose que les musées avec qui on travaille
sont assez friands de ça, parce que finalement, produire un projet qui va être présenté chez eux, c'est super, mais si ce projet peut être présenté bien au-delà de leur lieu, c'est aussi un plus. Donc, je sais pas, Pascal, toi qui es aussi pas mal investi sur les questions de droit d'auteur, on sait que ça peut poser aussi pas mal de questions, ces présentations in situ. Est-ce que tu veux en dire deux mots ? Alors, toute la question qui se dégage de toutes les préoccupations de PXN et sur tous les projets culturels, c'est la question d'une chose qui est très défendue par la France, et c'est la question du droit d'auteur, du droit moral. Et ça, c'est que la France a réussi à convaincre l'Europe de l'accompagner sur ça contre la notion de copyright qui est défendue par les Américains. Et cette notion de droit d'auteur, elle est centrale. Et elle va se poser, et elle se pose sur chaque projet. Et elle se pose maintenant sur les projets d'exposition, comme sur les projets VR, comme sur les projets de jeux vidéo, comme sur les, de façon différente, sur tous nos corps de métier à PXN. PXN s'est donc organisé, peut-être pour le rappeler, en 4 collèges. Mmh. Collège plutôt web, collège jeux vidéo, collège VR, donc Chloé fait partie, un collège Expo, PXN Expo. Et à chaque fois, c'est des façons sur la question, la notion de droit d'auteur, ce sont des écosystèmes différents qui l'abordent de façon différente. Et la force de PXN, c'est de faire aussi circuler entre nous, entre nos différents postes et nos différentes activités, nos différents écosystèmes et nos différents usages, faire circuler cette notion qui est vraiment au centre de nos activités, au centre de la création culturelle, au centre de ce qu'on fait. Et de ce qu'on défend. Et de ce qu'on défend, exactement. Alors, il nous reste vraiment 20 secondes, donc je vais juste redonner le site de PXN pour que voilà, vous alliez voir. Donc, c'est www.pxn.fr et il y a une adresse contact@pxn.fr. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des propositions d'événements auxquels vous souhaitez qu'on participe. Je crois qu'on est sur la ligne de fin. Merci. Merci beaucoup. Merci.